Je reprends. Donc, on est le 35e jour dans Chafetz Sefer du Chafetz Chaim. Avak Lachonara, que de la poussière du Lachonara. Shevach Abal Ide Efsed. Que si Kaviachol, on loue une personne, mais cette louange-là va lui poser des torts par la suite. Gam Divre Shevach, même en louant quelque chose, Mouv Hakim, clair. Alulim le famim le chachev ve geder avak Lachonara. Ça peut des fois, Kaviachol, rentrer dans un din de Lachonara, dans sa fake din de Lachonara. Vassour le farsemam verabim, et ne divuto se ploni, comme ça je vous avais fait une allusion dans le Chafetz Chaim d'avant, qu'on n'a pas le droit, qu'à la Kaviachol, de parler par exemple de la générosité d'une personne. Oh, et godel l'achnasa taochim beveto, c'est quelqu'un qui a la maison ouverte, à qui veut, il peut venir s'asseoir manger chez lui. Il m'a l'aidé car il t'a flou à l'ave anashim raim. Que ça va causer qu'il y a des gens qui sont avec de mauvaises intentions qui vont d'une certaine manière rentrer chez lui pour profiter de sa générosité. C'est pas qu'il va vraiment vouloir faire du recette, ceux qui vont malheureusement profiter sur son dos. Et rien que pour, parce qu'on a appris que c'est quelqu'un de gentil, donc on va profiter de lui. D'avoir un grand lot Efset Kaspi ou Augmat Nefesh. Deux choses, hein. Ou Efset Kaspi parce que Kaviachol de là il sortira un problème financier. Ogmat Nefesh, ça veut dire que cette personne-là, il se sentira mal à l'aise d'avoir vu qu'en faisant du chesed, les gens, ils ont profité de sa générosité. Et tout ça, pourquoi? Parce que toi, tu as osé dire que c'est quelqu'un qui est généreux. Et en disant et en osant de parler de quelqu'un de généreux, tu as causé à ce que des gens, ils ont dit, oh, on a quelqu'un qu'on peut profiter. Et voilà, à cause de ça, Kaviachol, un ézek, il en est sorti. Ça veut dire, avec la shonara, ce n'est pas un sourd de oraita, c'est-à-dire que c'est un sourd de rabanan. C'est ça que ça veut sous-entendre ici, d'accord? Ça devient un sourd des rabbanan, pas un sourd des oraita.